Hello tout le monde, j'espère que ça va. Premier snap de la journée. Les enfants sont à l'école. Je vais aller au sport avec mon ami Joey. On va aller faire une petite heure de sport. Ensuite, les enfants reviennent à 11h40. Le vendredi, ça finit très tôt, les enfants. Ensuite, on va profiter de la piscine toute l'après-midi, du beau temps. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ce soir, on a un restaurant avec les Tanchi. Il y a une inauguration d'un restaurant où on est invité. Et je crois que j'ai rien oublié. Je vais enlever mes tresses aujourd'hui. Parce que là, ça y est, ça part en sgeg et tout. Il y a des cheveux partout. Ça me gratte, ça va faire presque une semaine. Donc j'ai envie de les laver et tout. Donc voilà, l'avancée de la journée. On a aussi notre pergola. Des gens qui doivent venir réparer notre pergola. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est cassée. Fait qu'il manque un moteur et tout, comme je vous disais. Et là, aujourd'hui, ils viennent normalement la réparer. Donc on sera bon. Ensuite, ils viennent fixer les deux pièces d'en bas qui ont été un peu abîmées. Lundi, ils viennent faire le waterproofing, injecter un produit qui fait que l'eau passera plus, bref. Et voilà, on est bien, on va profiter de la belle journée. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, un bon vendredi, un bon week-end. Cette semaine, elle est passée quand même à une allure. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, ma tressée? Allez, viens de passer. Toi aussi, tu vas enlever les tresses aujourd'hui? Ok. Ok. Les amis, on est à quasi 400 vidéos sur le TikTok. 400 vidéos qui ont utilisé le son te protéger. Je voulais vous remercier, c'est une dinguerie là. À peine un jour et quelques. Donc c'est trop bien. Donc je pense qu'on va arriver aux 1000. Est-ce qu'on va arriver aux 1000 avant la fin du week-end? Il y a que vous qui le savez, il y a que vous qui pouvez. Je suis grave chaud. Moi, je regarde toutes vos vidéos, mais là, 400, ça commence à faire beaucoup à liker. Mais celles qui ont le plus de vues et de commentaires et d'engagement, forcément, remontent en haut, donc je peux les voir plus facilement. Donc, soyez bien créatifs. Et voilà, ça tue, franchement, vous régalez, la vérité. Merci, merci. N'oubliez pas aussi, il y a Insta. Hein. Insta, il n'y en a que 9. Qu'est-ce qui se passe sur Insta? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a 10. Alors, faites kiffer. Thanks. Carrément, j'ai plus qu'un jour dans la semaine où je fais du renforcement musculaire. Tous les autres, c'est paddle, boxe, cardio. Donc avant, c'était 5 jours sur 5. 5 jours sur 7, vraiment que de la fonte, que de la muscu. Et là, je vois que mon cœur, il est mieux. Mon cœur, il est mieux. Mais bon, mes muscles, ils sont moins saillants, on va dire. Mais j'ai perdu du poids et tout, je suis content. C'est bien, en fait. Je pensais qu'avant, il fallait vraiment tout le temps faire de la muscu, de la muscu, de la muscu. Mais en vrai, le sport, c'est pas de la muscu. Enfin, la muscu, c'est un sport, mais c'est un sport un peu de finir, genre. C'est 100 fois mieux de faire du paddle, des activités comme ça, un peu physique, boxe et tout, c'est trop bien. Là on va où? Là-bas, gauche. Le driver. C'est Maldives ici, dis donc. Allez, ça rentre. Aujourd'hui, c'était la journée du jean. Du coup, les enfants étaient en jean. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as fait des tampons. Jean élastique, ouais. Ça y est. Ça a gardé le pli du milieu. Bon, les gars, ça y est, je viens de finir. On a fait 1h30 de paddle. On a pas mal joué, on a perdu le premier set 6-1, après on a gagné 6-1. J'étais avec Jess contre 2 garçons, donc c'est pas mal. Et le dernier on a perdu aussi. Et après on a inversé un peu les équipes. Ça m'a fait un trou. On a inversé un peu les équipes et après on est rentré. J'ai même pas le temps de manger, regardez, j'ai carrément pris mon petit tupperware pour manger pendant que Mylan s'entraîne. Je suis arrivé, j'ai changé, direction l'entraînement de boxe, avec sa nouvelle tenue de boxe en plus. Trop bien. Try don't do mistake, okay? Go. 1, 2,
Je vais te sécuriser. Non, on n'est pas les méchants, ne vivons pas pour les gens. J'ai fait tout ça pour te protéger. J'ai fait tout ça pour nous protéger. Alors au programme là, on est tous à la piscine. Il y a Liwen qui va arriver aussi avec nous. Après, les enfants vont manger. On va s'occuper d'eux, les doucher et ensuite les coucher. Demain, on ne sait pas trop ce qu'on fait encore. On hésite. Parce que là, ça y est, commence à faire bien bien. On peut profiter de la piscine, on peut aller au lagon aussi dans la résidence. Et nous, ce soir, on a une inauguration de restaurant avec les Tanchi. Donc ça va être sympa. Et après que le week-end commence, donc on va voir. Dimanche, on a un anniversaire aussi. Mon guise. Alors, bah oui, forcément, puisque du coup, il y a beaucoup plus de mètres carrés, donc beaucoup plus de clim, surtout qu'en plus, il fait très chaud ici, donc toutes les pièces sont climatisées, donc oui, ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher, c'est proportionnel. Non, la TN Marseille, je ne l'avais pas prise, je ne l'avais pas trouvée excellente, je n'avais pas flashé. Alors, j'avais cherché des cours collectifs, je n'avais pas trouvé, et je trouve que pour évoluer, je pense qu'un coach personnel, c'est beaucoup mieux, parce que quand tu as beaucoup d'élèves, on le voit avec le paddle, ben, ils sont pas attentifs, ils écoutent pas, ils rigolent, ils font des bêtises. Donc là, il est concentré, il est lui seul avec le coach. Donc du coup, c'est beaucoup mieux pour progresser. Je vois sa progression. Donc je pense qu'un coach personnel, ça peut être que bénéfique. Après, des copains, il en a à l'école. Et quand il fait une heure de boxe, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir non plus des copains. Comme ça, il évolue bien. La cigarette, alors pas du tout. J'ai arrêté en juin 2023. Juin 2023, donc en juin 2024, là ça fait un an, là on est en septembre, non, j'ai arrêté là, ça y est, j'ai même plus envie, quand je vois des gens fumer, je suis plus fumeur quoi, je suis plus du tout fumeur, et j'ai fumé juste une chicha, mais là, même la chicha, je crois que je vais arrêter, là ça va gonfler, le lendemain, je vois que je suis moins bien, moins fort à la boxe, au sport, enfin, je le sens, donc du coup, je vais arrêter de fumer tout court, là, même la chicha, je veux dire, parce que j'en faisais une à peu près par mois, mais je vais même ça, je vais l'éliminer, donc voilà. Écoute, ben regarde, hein. A priori, elle a bien pu. Alors nous, on n'a jamais prétendu que notre maison était de qualité déjà. Et de deux, en fait, le problème, c'est que quand tu es propriétaire et que tu as une maison, n'importe où que ça soit dans le monde, tu as toujours des frais. Voilà. On a la maison en France, on a tout refait, on a souvent des problèmes, des fuites, des trucs. Quand tu es propriétaire d'une maison, d'un appartement, tu as des soucis hein, parce que ça s'entretient. Donc que ce soit à Dubaï, que ce soit en France, à l'île Maurice, à Saint-Pétersbourg ou je ne sais où, tu as de l'entretien à faire. Et plus la maison est grande, forcément, plus tu as de l'entretien. Ouais. Excellent. Mylon, tu vas ou quoi? Quand vous nagez, je veux voir personne t'appuyer sur l'autre ou couler l'autre, ok? Quel petit poisson. Quand tu sautes et que tu lâches vers quelqu'un, tu dis j'arrive maman, j'arrive papa, j'arrive. Tu pars pas sans viser quelqu'un. Allez, viens, viens papa aux escaliers. Alors, vas-y. Yeah. Yes.
Bébé, la vie c'est risqué, je vais te sécuriser. Non, on n'est pas les méchants, ne vivons pas pour les gens. J'ai fait tout ça pour te protéger, j'ai fait tout ça pour nous protéger. T'es jaloux, donc je pense qu'il faudrait vivre coupé du monde. J'ai fait tout ça pour nous protéger, j'ai fait tout ça pour te protéger. Alors le outfit de aujourd'hui, on est sur un petit collier, j'ai dit petit, hein, un collier de coquillage, un débardeur en maille, une chemise un peu style lin de cette couleur, le pantalon par au passé, de la bombe, et les petits mocassins, j'ai encore dit petit, mais on est bien. Le pantalon par au passé, il m'a trop stressé, je le change. Et j'ai opté pour un pantalon repassé, un peu coupé en bas, et les mocas, on est propre là, ouais, c'est bien, bien. Regardez-moi cette bombasse, on attend les teintures, regardez-moi ce spot, magnifique. Toujours avec le Joey en chair et en os, et on est magnifique, j'ai très très chaud, voilà je vous le dis, on est dehors. Je vais pas mettre un débardeur, je suis un débardeur de ça. Ça fait chauffer là ? Ouais. Allez, voilà, bientôt la maison. Bientôt la maison. Allez, on croise les doigts. Oula, 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 oula. Ils sont arrivés. Les gars, déjà on a un souci qui est presque réglé, c'est la fuite d'eau. On a enfin trouvé d'où ça vient. Tu vas porter la poisse, mais pas la chambre, on est bleu. Mettons pas la chambre, on est bleu. On l'a trouvé. C'est quoi cette histoire ? Je sais pas. Ah ben on paye 5000 euros. Là, les scoops là, il y a des scoops là. Ah ouais? On va en after? Ah. Là, ça va chauffer là. Bon, on fera des. Ça va chauffer là. Là, je sais pas, ils sont pleins de scoops là. Ça chauffe. Scoop. Bon, mais là, on va. Du coup, on est au restaurant. Scoop. Et on a décidé. Et là, parce que le frérot, il est là. Le frérot, il a un ami qui fête son anniversaire ce soir. Alors, c'est pour lui rendre service. Non, mais c'est vrai, pour lui rendre service, on rejoint le frérot.